Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet atelier du Lab RH intitulé Il n'y a pas que Zoom dans la vie, travailler ensemble et à distance, les solutions notamment pour travailler ensemble à distance, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors on est sur un congrès et un atelier en distanciel, néanmoins moi j'aime bien l'interaction, j'aime pas parler 30 minutes tout seul. À plusieurs reprises, je ferai appel à vous et je vous inviterai à réagir dans le chat. Je vois que dans le chat, on a déjà Sarah qui nous a dit bonjour et DL qui nous dit bonjour également, donc bonjour à vous. Et bien évidemment, je compte sur vous et sur votre participation dans le chat pour que ce soit ensemble en fait, qu'on anime cet atelier et qu'on travaille à identifier quelles sont les solutions pour travailler ensemble à distance, et non pas simplement que ce soit moi qui vous parle bêtement pendant 30 minutes. J'y crois pas trop et je pense pas que ce soit la meilleure manière de le faire. Alors avant de commencer, peut-être vous dire en quelques mots qui je suis et pourquoi est-ce que je suis légitime à vous parler de tout ça aujourd'hui. Moi, je m'appelle Clément Leminck, je viens du monde des RH où j'ai travaillé à la fois sur des postes généralistes, notamment chez Warner Bros, puis stratégique chez Ubisoft, où j'ai travaillé sur de la stratégie RH à échelle monde sur l'ensemble des équipes IT d'Ubisoft. Et maintenant, ça fait un peu plus d'un an que j'ai rejoint le Lab RH, où je gère tout l'écosystème de start-up. Donc, le Lab RH, c'est une association, loi de 1901, qui regroupe d'un côté un peu plus de 80 entreprises qui viennent dans une logique d'acculturation aux ressources humaines, et de l'autre côté, un peu plus de 250 start-up qui, elles, viennent pour tout simplement gagner de la visibilité et profiter d'accompagnement. Et moi, je gère cet écosystème de start-up. Donc, je suis au quotidien avec toutes les start-up porteuses de solutions innovantes dans les RH. Solutions innovantes qui, du coup, ont été fortement mises à contribution dans cette période de crise. Et du coup, pour travailler ensemble et à distance, c'est bon, la boucle est bouclée. En parallèle de mon activité au Lab RH, je suis également jury du coup, pour des accélérateurs et des incubateurs de start-up. J'enseigne et également je suis formateur en entreprise sur des thématiques RH, sur des thématiques d'entrepreneuriat également. Aujourd'hui, on est là donc pour parler de travailler ensemble à distance et je vais vous mettre à contribution pour la première fois en vous demandant tout simplement, quand vous entendez ce titre, quand vous avez vu l'intitulé de ce webinaire, enfin de cet atelier auquel vous avez décidé de vous inscrire, qu'est-ce que ça vous a évoqué comme enjeu? Et je vais vous laisser réagir dans le chat et me donner les enjeux, vous, que ça vous évoque, qu'il s'agisse d'un mot, d'une phrase, d'une suite de mots. Mais quels enjeux ça vous évoque, vous, le fait de travailler sur un format un petit peu hybride, du figital, comme on dit, avoir la moitié des équipes en physique, l'autre à distance, voire du full télétravail, comme on a connu pour beaucoup pendant une longue période. Donc, je vous laisse réagir dans le chat, me dire un petit peu à quoi vous avez pensé. Et si tout se passe bien, normalement, les enjeux que vous allez évoquer, ben, en fait, ça va faire écho à ce dont on va parler aujourd'hui et je serai rassuré. Et si jamais c'est des choses dont je n'ai pas prévu de parler, ben, je vous promets que j'essaierai d'en dire quelques mots. On a Lorraine qui commence avec une première phrase où on lui dit « apprendre à piloter nos équipes ». Donc, effectivement, piloter les équipes à distance, les suivre, il y a des vraies questions en termes de management notamment. Sandrine nous parle d'adaptabilité nécessaire hein, pour survivre à ça. Anne-Claire nous dit pourquoi être en présentiel? C'est souvent la question que posent les équipes maintenant qui a ce retour au travail sur le site et sur le présentiel qui est jamais très facile. Comment faire collectif toujours, Anne-Claire? Et ça, on va voir des solutions qui permettent de travailler ensemble et en collectif. L'enjeu principal est dynamiser le groupe, nous dit DL, tout à fait. Dynamiser, créer du lien en fait. Bien qu'on soit à distance, continuer de créer du lien. On n'a plus ces team building où on va faire un escape game avec l'équipe. Donc comment est-ce qu'on fait pour le faire à distance? Concilier intérêt individuel et collectif, intérêt court terme et long terme, nous dit Anne-Claire. Inclusion, engagement, nous dit Zoé. Maintenir le lien, effectivement, Sarah, la performance collective, le bien-être, dit Léa, effectivement, bien-être. Bien-être qui a été une thématique hein, dont on parlera à la fin de cet atelier, mais une thématique clé et phare. Beaucoup d'entreprises ont cherché à pouvoir mesurer le bien-être de leurs collaborateurs et puis à s'assurer que cette situation de travail soit, à défaut forcément d'être un vecteur de bien-être, ne soit pas un vecteur de mal-être et essayer de prévenir les RPS, les risques psychosociaux au mieux que possible. Créer un esprit collectif, garder le lien, limiter les RPS, justement, c'est parfait. Je dis quelque chose, je baisse la tête dans le chat, et ça y est déjà, on est tout bon. Donc, tout ça, c'est ce dont on va essayer de parler aujourd'hui au cours de cet atelier. Alors, petit warning avant de commencer, c'est une présentation que j'avais construite pour une heure, que j'ai déjà réalisée à plusieurs reprises. J'ai essayé de la raccourcir pour une demi-heure, mais il est possible que ce soit un petit peu short en timing. Pas d'inquiétude pour ça, je vous donnerai mes coordonnées à la fin de la présentation. Si vous avez des questions, si vous voulez plus d'informations, parce qu'il y a bien plus de solutions dont j'aurais aimé vous parler, et bien, toute la matière, moi je l'ai, donc il ne faut pas hésiter à me contacter, je serai ravi de vous donner plus d'infos.
Pourquoi est-ce que je vous mets une petite tête de Clément de moi-même qui vous dise « parti pour candidater au LabRH » C'est parce que je me suis dit que ce serait intéressant de prendre comme fil rouge de cet atelier mon histoire. Moi, je suis arrivé au Lab, comme je vous dis, depuis un peu plus d'un an. Et en fait, exactement, il y a un an et un ou deux mois, ce qui se passait, c'est qu'on était dans le premier confinement. Et moi, j'ai rejoint le Lab en plein confinement. Et je me suis dit que ce serait intéressant de vous montrer un peu le parcours collaborateur que j'ai vécu, le parcours expérientiel, puisqu'en fait, ça a été un parcours entièrement à distance. Et ça m'a permis de voir ce qu'il fallait faire et peut-être ne pas faire, et d'identifier des solutions qui permettaient d'y répondre et d'avoir la meilleure expérience possible. Aujourd'hui, dans le marketing et dans le commerce, on parle beaucoup d'expérience client et on cherche à la soigner au plus. Dans le monde des RH, c'est pareil avec l'expérience candidat. Et cette expérience candidat a été fortement malmenée en cette période de distanciel. Donc là, Clément, il est parti pour candidater au LabRH. Et en fait, on va voir avec lui sept étapes qui se font à distance et sur lesquelles on va identifier des solutions pour nous accompagner. La première, ça va être forcément de recruter à distance. Comment est-ce qu'on recrute à distance ? La seconde, ça va être d'accompagner l'intégration et le départ. Je mets le départ parce que souvent, quand il y a une intégration, il y a un départ à côté et il y a des enjeux de passation de connaissances. Alors, la passation en présentiel, on la connaît, la classique. En distanciel, c'est un peu plus compliqué. Fédérer et communiquer, on en a parlé dans le chat, vous l'avez dit, maintenir le lien. L'organisation hybride, place au figital. Alors, quelqu'un nous demandait pourquoi être en présentiel, c'était Anne-Claire. Bon, pourquoi être en présentiel, c'est ce qu'on va voir. Est-ce qu'on ne peut pas faire du présentiel à distance, paradoxalement ? Peut-être que si. Le management, le feedback et la reconnaissance en cinquième, on le disait, comment piloter nos équipes notamment, c'est ce dont on va parler là. Et enfin, je vous ai dit 7 points, mais c'est 6, je me suis trompé, conserver le bien-être des collaborateurs et des collaboratrices, dont on parlait également à la fin, avec notamment les RPS qu'on va chercher à limiter au maximum. Mais commençons du coup avec Clément qui souhaite être recruté au LabRH, qui va candidater. Comment est-ce que, dans un contexte distanciel, Clément il peut avoir la meilleure expérience possible? Il y a 3 grands enjeux en fait sur le recrutement à distance. Il va y avoir de garder la même efficacité, de ne surtout pas dégrader l'expérience candidat, mais aussi de ne pas dégrader l'expérience des recruteurs, puisque pour les recruteurs, c'est une charge supplémentaire de faire du zoom à gogo. Je pense qu'on est nombreux, et à mon avis, il y en a pas mal d'entre vous qui vont vous reconnaître là-dedans, à avoir eu un peu la lassitude des zooms et des visios. Et c'est aussi pour ça, un petit peu, que je vous disais en intro et dans le titre, il n'y a pas que zoom dans la vie. Alors, nouvelle question pour vous, parce que je vous ai dit que j'allais vous faire participer. Selon vous, qu'est-ce que ces 3 entreprises ont en commun ? Vous avez Deliveroo, Amazon et Uber. Qu'est-ce qu'on va retrouver dans le service Je vous parle plutôt du service qu'elle propose plutôt que de l'entreprise en elle-même ou de la structure. Qu'est-ce qu'on va retrouver dans ces 3 structures? Allez-y, il n'y a pas de réponse bête. Je suis preneur de toutes les réponses. La dernière fois que j'ai fait cette conférence, la première réponse qu'on m'a donnée, c'est la précarité des emplois. Donc, ça m'a fait rire, mais ça n'est pas de ça que je voulais vous parler. Je pense plus au service. Ces 3 solutions, elles permettent quelque chose de particulier au consommateur, à l'utilisateur, au client. Un service digitalisé, nous dit Lorraine, de la techno, nous dit Léa, ce sont des bonnes réponses. Mondialisation, digital de nouveau, ce sont des bonnes réponses, mais ce ne sont pas encore celles que je cherche. On a une idée dans la salle ? Elle va directement vers le consommateur. Elle va directement vers le consommateur, ouais, on a de l'idée, on a de l'idée. En fait, je vais vous aider. Livraison, nous dit Juliette. On s'y rapproche avec le directement au consommateur et la livraison, on y est. L'idée à laquelle je vais vous amener, c'est que ces solutions, elles vous permettent de suivre tout de A à Z. À l'époque, si vous vous souvenez, quand on commandait quelque chose sur Internet, on avait un délai. On savait qu'on allait le recevoir dans 10 à 15 jours. Mais jusqu'au jour où on l'avait dans la boîte aux lettres, il ne se passait pas grand-chose. Et c'était difficile à suivre. Aujourd'hui, avec Amazon, on a un suivi. On sait chaque étape, chaque relais dans lequel le colis avance. Uber, on commande un taxi, on ne se contente pas d'appeler la centrale de taxi et d'attendre qu'un taxi vienne s'arrêter devant nous. On peut le suivre en temps réel, on peut savoir quand il arrive, on peut le voir tourner à chaque coin de rue, on pourrait voir s'il se trompait de chemin pour venir jusqu'à nous. Et Deliveroo, c'est pareil, on le retrouve chez Uber Eats, on le retrouve vers tous les services de livraison de nourriture. Idem, rappelez-vous, à l'époque, on décrochait le téléphone, on commandait une pizza à la pizzeria du coin, et nous disait « vous serez livré dans à peu près 20 minutes ». Et on n'avait pas d'infos, et ça se trouve, il y avait beaucoup de clients entre-temps, la livraison allait prendre du retard, on ne pouvait pas le savoir. Là, pareil, je suis mon livreur en temps réel, et du coup, je peux voir quand est-ce qu'il arrive. Pourquoi est-ce que je vous prends ces 3 exemples? Parce que comme je vous disais, de la même manière qu'on cherche à soigner l'expérience client, eh bien, il faut chercher à soigner l'expérience candidat. Et pourquoi, dans un process de recrutement, eh bien, le candidat il ne pourrait pas avoir un suivi pareil sur chaque étape de sa candidature? Pourquoi est-ce que je ne pourrais pas savoir d'ores et déjà
quelle est l'entièreté du process et quelles sont les différentes étapes. Pourquoi est-ce que je ne pourrais pas savoir combien de temps il me reste jusqu'à la prochaine étape, jusqu'à ce que mon livreur arrive chez moi, jusqu'à ce que le recruteur ouvre mon CV, ou en tout cas que je reçois une réponse. On a deux startups au sein du Lab RH qui se sont posées cette question, Wikip d'un côté, SmartMove de l'autre, et les deux, elles ont cherché justement à apporter ça, à apporter une expérience candidat dans laquelle le candidat ait une visibilité claire sur l'entièreté du process avant même de recruter, ou en tout cas au moment même où il recrute, sur le temps moyen entre chaque étape, sur la durée, sur l'état d'avancement de sa candidature. Ton CV a été lu, hop, je reçois une notification, j'ai cette information, et en moyenne, je sais qu'une fois que le CV a été lu, il reste 3 à 4 jours avant que j'ai une réponse, ce genre de choses. Donc ça, c'était une première, deux premières solutions que je voulais montrer. Une autre, je vous le disais, il y a un enjeu de réduire de maintenir l'expérience candidat, mais aussi de maintenir l'expérience des recruteurs, ou à minima de ne pas la dégrader. Pour ça, il y a quelque chose qui a vu le jour, ce sont les entretiens vidéo, alors tout court, ça on le connaît tous, mais les entretiens vidéo différés également. Et là, je vais vous parler de VisioTalent, qui est une solution qui appartient à Clever Connect, qui est également une start-up membre du Lab RH. Et VisioTalent, ils permettent l'entretien différé. Qu'est-ce que c'est qu'un entretien différé ? Souvenez-vous, si vous avez déjà fait des process de recrutement, les premières étapes d'un process, c'est souvent redondant. On va poser les mêmes questions, qui sont des questions plutôt de qualification. Est-ce que vous parlez bien anglais ? Est-ce que vous avez bien les compétences qu'il nous faut ? On va donner des infos génériques sur la boîte. Alors, le Lab RH, on est une association, loi de 1901, qui a 5 ans d'existence, qui regroupe des entreprises et des startups, blablabla. En tant que recruteur, si je fais 5-6 entretiens dans la journée, c'est 5-6 fois dans la journée que je vais répéter l'histoire du Lab RH, que je vais reposer les mêmes questions. Et si je me filmais une seule fois, en fait, en train de poser ces questions, et que le candidat pouvait se filmer en retour, en train d'y répondre, quand il veut, où il veut. De un, ça m'évite, moi, recruteur, d'avoir toujours des entretiens à la pause du midi ou le soir après les horaires de travail. De deux, ça permet au candidat de répondre tranquillement chez lui le week-end en chaussettes et mal rasé s'il a envie, mais en tout cas, enfin, quoi que mal rasé, il y a la vidéo, mais en chaussettes s'il veut, et de prendre le temps de bien répondre et d'être dans un climat propice aux réponses. Et puis surtout, le recruteur, il n'a pas à répéter son jargon, enfin, ou son discours, puisqu'il l'a fait une fois. Alors, ce n'est pas une solution à l'entièreté d'un process de recrutement, mais ça permet de faciliter les premières étapes et de gagner du temps, à la fois côté recruteur, à la fois côté candidat. Autre question pour vous, quelle est la frustration numéro 1 des candidats ? Est-ce qu'on a quelqu'un qui a une idée, que ce soit dans la salle ou dans le chat ? Réfléchissez, quand vous avez été candidat, quand vous étiez dans les process de recrutement, qu'est-ce que vous avez eu comme frustration en tant que candidat ? Ne pas avoir de réponse, excellente réponse. C'est exactement ce que j'attendais. La frustration numéro 1, c'est de se faire ghoster. Le ghosting, c'est cette pratique qu'on trouve alors aussi dans la vie privée quand on a des gens qui arrêtent de nous répondre, mais qu'on retrouve de plus en plus dans la vie professionnelle avec soit des recruteurs qui ne vous répondent pas, soit des candidats qui ne répondent plus. Ça, c'est le retour d'ascenseur. Maintenant, les candidats se permettent aussi de ne pas forcément donner de retour aux recruteurs. Une solution à ça, ça va être Iago, dont je souhaitais vous parler. Alors, Iago, ça a été mis en place chez SNCF, que vous connaissez sûrement tous, les trains, qui a des gros enjeux en fait, de recrutement, notamment sur des profils tech, et ce n'est pas forcément la boîte la plus sexy au monde, ou en tout cas, pas la première boîte dans laquelle on pense aller quand on est un profil tech. Et Iago, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont en fait, tout simplement répondre à tous les candidats pour l'entreprise. Alors, répondre premièrement à toutes les candidatures spontanées, vous savez, ces candidatures qu'on reçoit sans même avoir posté d'annonce. Ensuite, répondre à toutes les candidatures à des jobs, toutes les réponses négatives et avec pas une réponse classique, on va dire, qui soit la même pour tout le monde, mais une réponse construite qui soit accompagnée de conseils de recrutement, de conseils sur le CV ou d'explications sur pourquoi le profil n'a pas été retenu. Et ensuite, ils vont aller jusqu'à constituer un vivier de talents, du coup, pour pouvoir réactiver ce vivier. On parle souvent de nurturing dans les RH. Réactiver ce vivier au moment opportun. J'avais une candidature spontanée de... je sais pas, un profil marketing alors que je n'avais pas de besoin. 3 mois plus tard, j'ai un besoin, je l'avais identifié dans mon vivier. Je lui ai fait un retour comme quoi je n'avais pas de besoin, mais comme quoi je reviendrai vers lui ou vers elle quand j'aurai un besoin. Et bien là, je peux la recontacter ou le recontacter et je gagne beaucoup de temps dans mon recrutement. Donc ça, c'est Iago qui va être la solution qui va nous permettre de gagner du temps là-dessus. Assez parlé de recrutement. Clément, il est content, il a été recruté au Lab RH. Maintenant, l'enjeu, ce n'est plus celui du recrutement. L'enjeu, ça va être l'intégration, l'onboarding, le pré-boarding aussi de Clément. Et bien évidemment, potentiellement, le départ de la personne qui peut remplacer s'il est amené à remplacer quelqu'un. Nouvelle question pour vous. Je vous donne un chiffre, 46%. Selon vous, à quoi correspond ce chiffre ?
Un indice, ça a un lien avec ce dont je parlais juste avant. Donc l'onboarding ou l'offboarding. Pas accompagné à 46%. Effectivement, c'est 46% des cadres qui n'ont pas eu un process d'intégration au cours de leur intégration dans leur poste. Alors, c'est une étude de cadre emploi. 46%, c'est affolant. Alors, on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut faire pour accompagner l'intégration. Et ce que j'aimerais vous partager, c'est une initiative qui avait mis en place l'équipe du Lab quand moi, je l'ai rejoint en plein premier confinement. Ils m'ont envoyé un trombinoscope. Vous voyez ce magnifique PowerPoint là, dont vous avez la première slide. Un trombi avec l'équipe du Lab RH. Dedans, j'avais les photos de tout le monde avec leur intitulé. Et pour chaque personne, j'avais un profil. Alors là, c'était le mien, parce que du coup, on a gardé cette bonne pratique. On continue de faire ça avec notre nouvelle recrue. Et en fait, on a trois catégories. Bon, là, c'est un peu petit, vous n'allez pas les voir. La première, c'est tout simplement ses casquettes, ses missions au sein du lab. Donc en gros, quel est le rôle dans l'équipe? Super, je comprends mieux. La seconde, ce sont les super-pouvoirs de cette personne. Alors les super-pouvoirs, l'idée, c'est de permettre de dévoiler la personnalité de la personne d'une manière un petit peu fun. Alors moi, par exemple, notamment, j'avais parlé de mon optimisme sans faille en vous annonçant, et c'est un secret que je compte sur vous pour garder, mais c'est vrai qu'il paraît que Obama tient son fameux Yes Weekend de moi-même. Voilà. Juste après les super pouvoirs, on va avoir les hobbies et puis l'astuce pour que ça se passe bien avec cette personne. Ça, moi, en tant que candidat, quand j'ai rejoint le LabRH, c'était hyper précieux. Ça m'était envoyé dans le cadre de mon pré-boarding, j'étais même pas encore employé. Et en fait, j'avais déjà la connaissance de qui étaient les différents membres de l'équipe, ce qu'ils faisaient en termes de rôle pro dans la boîte, mais aussi quelle est leur personnalité, quels sont leurs hobbies. En tout cas, je pouvais aussi les connaître d'une manière un peu personnelle. Alors, exit pour une fois le moment où c'est le nouveau qui est connu par tout le monde, parce que tout le monde s'est passé son CV. Moi aussi, j'arrivais avec le même niveau de connaissance sur eux. Autre bonne pratique que j'aimerais, autre solution que j'aimerais vous partager autour de l'onboarding, ça va être quatre solutions là. Et malheureusement, vu que c'est une presse raccourcie, je ne vais pas avoir le temps de vous les détailler ou de vous expliquer des cas d'études chez BPI ou autre où ça a été mis en place, notamment je pensais à Workello dans ce cas-là. Axel, Squirrel, Comin.io et Workello, ça va être quatre solutions qui permettent justement de gamifier, de faciliter l'onboarding des candidats et que je vous invite à checker. De nouveau, je pourrais vous envoyer la liste entière des startups quand je saute un petit peu dessus. Nouvelle question pour vous, je vais vous montrer trois images. Voilà la première, la seconde, la troisième. Et je vais tout simplement vous demander qu'est-ce qu'elles ont en commun, ces trois images. Ouais. Le collectif. Le collectif, effectivement. Est-ce qu'on a quelqu'un d'autre qui a quelque chose à ajouter là-dessus? On a du collectif. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La performance collective. La performance collective, effectivement. Du team building, nous dit DL dans le chat. C'était ce que j'attendais, team building. Mais team building, c'est effectivement avec un collectif, avec une performance collective. Le team building, vous vous souvenez, c'était ces moments sympas où une fois par an, notre manager, il emmenait l'équipe faire un laser game, faire un escape game, construire une tour en Lego, aller faire, je sais pas, de la spéléo, je suppose qu'ils font, quelque chose du genre. Pendant l'année Covid, c'était plus compliqué, hein. Et vous avez sûrement reçu un message du manager qui dit « Ah, désolé, le team building cette année, ça va être compliqué, on verra l'année prochaine. » en fait, c'est pas fini. Il existe quand même des solutions pour maintenir du lien à distance et pour retrouver des activités. Alors, vous n'allez pas construire une tour de Lego ou faire un laser game, mais il y a quand même différentes solutions dont je voulais vous parler. Premier type de solution, vous voyez en haut, c'est FNC qui a été mise en place dans le département des Yvelines. Et FNC, eux, ils vont avoir une solution qui permet de comprendre la dynamique d'équipe. Ils ont été mis en place au département des Yvelines puisqu'ils avaient une équipe qui travaillait uniquement sur le terrain, qui du jour au lendemain s'est retrouvée digitalisée à distance. Ça doit vous rappeler quelque chose. Et ils se sont rendus compte que la dynamique d'équipe n'était pas du tout la même à distance. Les façons de fonctionner des uns et des autres, les forces et les faiblesses, n'étaient pas forcément les mêmes. Grâce à FNC, ils ont pu identifier justement quelles étaient les forces de chacun et les clés pour travailler en collectif, pour ensuite travailler dessus et puis avoir aussi accédé à du micro-contenu, de micro-learning, pour se former sur les axes d'amélioration. Deuxième solution, pour faire référence du coup, à ces team building, proposer des expériences ludiques, même à distance. Deux startups dont je souhaitais vous parler, Coloc à gauche, Into the Tribe à droite. Coloc, c'est une boîte qui faisait que du team building. Donc avant le Covid, elle faisait que de l'escape game, pardon. Donc avant le team building, je vais y arriver. Avant le Covid et la crise, ils faisaient que de l'escape game. Du coup, c'était uniquement en présentiel. Et bien avec la crise, ils se sont mis à développer des escape games et des aventures à distance aussi. Donc tout ça pour vous dire que ça existe.
Into the Tribe, de la même manière, ils ont proposé des blind tests et ce genre de jeu un petit peu ludique pour, pareil, recréer du lien dans les équipes et créer du lien même quand on est à distance. Dernier type d'exemple, c'est de contribuer à des projets porteurs de sens. Si je veux me sentir part, en fait, un petit peu de ma boîte, si je veux me sentir vraiment intégré, eh bien, il faut aussi que je comprenne les gros enjeux de la boîte. Et ça, je le comprends peut-être quand je suis dans les bureaux, quand j'échange avec des gens, quand je vois ce qui se passe, je le comprends moins à distance. L'Oréal, ils font chaque année ce qu'ils appellent le Citizen Day, qui est un jour où leurs collaborateurs peuvent aller travailler pour des assos bénévolement, tout en étant payés par L'Oréal. Ça, ils l'organisent avec Microdon, donc vous voyez le logo juste là. Et bien avec Microdon, cette année spéciale de 2020, ils ont décidé d'organiser un Citizen Month, au final, et ils ont identifié des associations qui pourraient avoir besoin d'aide, en fait, plutôt sur du mécénat de compétences et sur des compétences qu'on pouvait fournir ou apporter, même à distance. Et au final, les collaborateurs, ce qu'ils ont eu, c'est 6 heures qu'ils pouvaient dépenser comme ils voulaient dans le mois pour accompagner à distance des associations en leur faisant bénéficier de leur expérience et de leurs compétences. Donc c'est toujours possible d'avoir ce type de projet. Et là, je vous ai parlé de Microdon et de L'Oréal, mais on a aussi Citizen Wave ou Maoboa, qui propose ce type de solution également. Mais une bonne intégration, c'est aussi un bon départ. Et là-dessus, pareil, vous allez retrouver des solutions. On retrouve Comin qui fait de l'intégration, et, enfin de l'onboarding et de l'offboarding. On retrouve aussi Thank You and Welcome ou encore Yoga, qui sont des solutions qui visent à faciliter en fait la transmission de savoir pour s'assurer que quand on perd un collaborateur, on ne perde pas son savoir, mais qu'il soit bien transmis à la nouvelle recrue. Assez parlé de nos enjeux d'onboarding, parlons maintenant de la connexion, de créer du lien avec les collègues, fédérer, communiquer. Plusieurs enjeux, du coup, au cours de cette crise, maintenir le lien malgré la distance, maintenir les RH en vie, si j'ose dire, ils ont été ultra sollicités, maintenir les opportunités d'interaction avec sa boîte et maintenir le sentiment d'appartenance à quelque chose de plus grand. Pour maintenir le lien malgré la distance, plusieurs solutions. On a Awaken qui a été mise en place chez la Sogé, qui permettent de programmer en fait et d'envoyer des emails interactifs. Alors, c'est des emails avec plein de contenus, des quiz, de l'info sur la vie d'entreprise, ainsi de suite. L'idée, c'est de régénérer un petit peu le climat qu'il y avait dans un open space où on apprend tout ce qui se passe via des newsletters qui nous informent sur la vie de l'entreprise et sur ce qui se passe également et qui nous permettent d'interagir entre collègues malgré la distance. Deuxième solution, c'est Howard qu'on met en place, Ostory, où en fait chaque collaborateur peut écrire des histoires de son travail, de ses projets, pour avoir une sorte de mémoire de l'entreprise, pouvoir revenir dessus, pouvoir voir en fait aussi ce qui a été mis en place pour passer les barrières potentiellement mises par le distanciel. Enfin, le micro-learning et l'UGC, l'User Generated Content, ça c'est avec Bidiz qu'on va le retrouver, qui a été utilisé par la Caisse des dépôts, dans laquelle ils ont décidé d'ouvrir cette application de micro-learning à l'entièreté de leurs collaborateurs, pour que leurs collaborateurs puissent se filmer tout simplement et faire des espèces de petits tutos pour apprendre et partager leurs connaissances aux autres collaborateurs. L'idée, c'était de recréer du lien et de permettre à une personne de créer du contenu qu'elle pourrait partager à l'ensemble de la boîte. J'avance pour maintenir les RH en vie, puisque être RH en 2020, c'était être un peu comme sur cette photo. Là, c'est les petits bots dont je vais vous parler, qu'on déployait tout simplement à Chatbot RH, qui va reprendre en fait toutes les questions les plus classiques. Vous savez, celle de « est-ce que mes tickets de transport seront remboursés ?» ou « est-ce que j'ai toujours mes tickets resto, même si on est à distance ?» ce genre de choses. Pour décharger les RH, tout simplement, et avoir un chatbot qui va répondre à toutes ces questions faciles, et ensuite passer sur un support de niveau 2, si j'ose comparer à de l'informatique, lorsqu'il y a des questions plus complexes, et auquel cas, là, on repasse sur un interlocuteur RH directement. Maintenir les opportunités d'interaction. Là-dessus, je voulais vous présenter Wingzy, qui a été mise en place chez Framatome, une filiale du groupe EDF. Wingzy, c'est une solution qui permet à un collaborateur de donner en fait, ses compétences, c'est du déclaratif, hein. Je maîtrise telle compétence, et ensuite à d'autres collaborateurs ou à ce même collaborateur de chercher des gens dans la boîte, dans l'entreprise, qui aient des compétences auxquelles je voudrais faire appel et sur lesquelles j'aurais besoin d'aide. On peut également poser des questions et relier des compétences à ces questions pour que les experts ou en tout cas les détenteurs de ces compétences puissent voir la question et y répondre, et à partir de là, ça va construire une espèce de bibliothèque. Et le tout est supporté par une IA, un algorithme qui permet de pousser, en fait, si quelqu'un veut poser une question qui a déjà été posée, en fait, lui pousser directement les réponses et les meilleures réponses via un système de vote, mais aussi suggérer des compétences en fonction des profils similaires, ainsi de suite. Donc ça me permet de trouver un collaborateur, même si je suis à distance et que je ne peux pas le retrouver en physique, l'identifier, ou en tout cas identifier la personne qui a les compétences que je recherche. Enfin, maintenir le sentiment d'appartenance.
Là-dessus, on parlait de collectif, d'intelligence collective. Je me souviens quand je vous posais la question en amont de qu'est-ce que ça vous évoque. Deux startups que je voulais vous partager. La première, c'est Cap Collectif, qui justement est centrée autour de ces décisions collectives et va proposer plein en fait, de dispositifs pour bosser ensemble, que ça aille de la simple cagnotte d'entreprise, mais jusqu'à des boîtes à idées, des référendums d'entreprise, ce genre de choses. Et Clapotis, qui s'inspire de la méthodologie des OKR, Objective and Key Results, dont l'objectif va être tout simplement d'aligner les objectifs de chaque collaborateur sur la vision de l'entreprise et les objectifs généraux de l'entreprise au sens large, et du coup après aller redescendre et cascader dans les objectifs individuels de chacun. Toujours, je vous redonnerai la liste des startups, je sais que je vais vite dessus, mais il y a déjà 25, il nous reste déjà plus que 5 minutes. Présentiel ou distanciel, comment s'organiser ? On arrive à ma quatrième partie sur le figital. Je ne vais pas vous parler des Teams, Slack et Discord, parce que je pense que vous les connaissez tous assez. Je vais plutôt vous parler de solutions comme Klaxoon ou Opendo, qui sont deux solutions françaises qui permettent de retrouver le tableau blanc, les post-it, les routines ou en tout cas les supports pour les routines d'équipe et les réunions sur les collaboratifs qu'on pouvait avoir, ateliers collaboratifs, avec de nouveau tableau blanc, quiz, nuages de mots, tout ce que vous voulez du genre. Les deux sont français, les deux sont relativement similaires. Klaxoon est un peu plus complet, un peu plus cher. Opendo est un peu moins complet, mais du coup un peu moins cher. Autre type de solution que je voulais vous partager, c'est en référence à... Alors pour ceux qui ont la référence, je ne vais pas prendre le temps de vous reposer la question sur de quel film s'agit-il. Il s'agit de Ready Player One. Je vous ai dit que j'allais travailler chez Warner Bros, ça laisse des traces. Pourquoi je vous parle de Ready Player One ? Parce que c'est un film dans lequel tout le monde est dans l'oasis, dans une dimension virtuelle. Et en fait, la réalité virtuelle, ça peut être la solution pour faire du présentiel à distance. Et là-dessus, il y a trois solutions que je voulais vous montrer. Wixar, Global et Antilogy. Les trois, leur objectif, c'est ça en fait. C'est de permettre à des collaborateurs qui ne sont pas au même endroit de se retrouver dans un univers virtuel et au final de travailler ensemble. Avec plein de solutions et dispositifs qui sont dispo pour chacun. Mais ça, on y reviendra plus tard. Enfin, le flex office. Pour ceux qui commencent à revenir au boulot, il y a beaucoup de boîtes qui se sont dit « Bon, on n'a pas tout le monde qui revient au boulot, on va faire du flex office, on va réduire les espaces qu'on a et on va tout simplement faire des roulements sur les bureaux. » Mais le flex office, ça peut créer pas mal de problèmes. On a trois solutions au sein du Lab RH, Up2B, Semana et FlexTeam qui répondent à ces enjeux. Et vous voyez un petit sigle au-dessus d'Up2B, parce qu'Up2B, ils sont intervenus ce matin sur un atelier. Pour ceux qui l'ont raté, je pense que vous pourrez avoir le replay via le congrès du télétravail. Et Up2B, Semana, FlexTeam vont justement proposer des solutions qui permettent de faciliter ce travail flex, tout simplement, ce flex working et ce flex office. Maintenant, Clément, il est content, il a compris comment il pouvait travailler à distance ou pas, il s'est fait onboarder, mais il a un nouveau enjeu, c'est de s'assurer que tout se passe bien par rapport au management de son équipe, et ce, malgré la distance. Alors, au Lab RH, on a fait tout un atelier avec une grosse étude, avec le Village by CA et Startup Inside. On a eu plus de 330 participants, dont 80 professionnels RH, et le but, ça a été de découvrir quel était le manager du futur en fait, et quelles étaient les compétences de management attendues dans cette nouvelle situation. Alors, je ne vais pas pouvoir en parler aujourd'hui, mais je vous invite à suivre le Village by CA, le Lab RH et puis Startup Insight sur les réseaux, parce que c'est une étude qui va sortir, on va sortir tout un document dessus pour la rentrée, donc en septembre. Donc voilà, c'est le petit teaser. Mais au-delà de ça, on a des solutions qui permettent de travailler sur ce management par différents moyens, soit via des communautés apprenantes, et là je vous parle de la Webox qui a été mise en place chez BNP Paribas, soit via des assistants virtuels, l'exemple de AXL chez Capgemini, soit via du feedback et de la reconnaissance avec CocoWorker qui permet d'envoyer des kiffs et des remerciements aux collaborateurs, qui a été mis en place chez Sogelink entre autres. D'autres solutions de feedback à distance ou de feedback 360, d'entretien annuel, semestriel, trimestriel selon les besoins, Flashbrand, IG et Javelo. Alors, j'avais prévu des captures d'écran, mais il faut avancer. Je suis en retard sur mon timing, mais je vous inviterai à consulter ces startups. Et j'arrive à ma dernière partie sur le bien-être des collaborateurs. Le premier truc qui a été mis en place dans plein d'entreprises, et je me souviens dès mars-avril, quand j'échangeais avec ces startups-là, elles me disaient « Clément, nous, le Covid, ça nous a aidé énormément, on n'a jamais eu autant de clients et de demandes. » C'est toutes les solutions de Pulse Survey pour prendre le pouls des équipes, pour avoir des petits questionnaires, vous savez, qui suivent si tout se passe bien et qu'on voit des questions. On a beaucoup au Lab RH, vous les voyez, Windu, Blixo, Bloomin, Wittifit, Bloom at Work, Dialogue, GBWE et ID3 qui en sont. Il y en a encore plus sur le marché.
Si c'est des choses qui vous intéressent, je vous inviterai à les consulter. Mais au-delà de juste prendre le pouls, il y a aussi l'enjeu d'agir. Et là-dessus, on trouve pas mal de solutions aussi qui permettent d'agir sur différents enjeux, qu'il s'agisse de parentalité, qu'il s'agisse de bien-être, éventuellement pour limiter aussi les TMS, hein, les troubles musculo-squelettiques, d'aide à l'addiction, enfin, à guérir l'addiction et la dépendance, de fatigue oculaire et ainsi de suite, de distance domicile-travail. Alors là, on en a plein au LabRH. On en a tellement que je n'avais pas le temps de vous parler de toutes. Je vous ai fait une super slide avec plein de logos. On en a qu'il s'agisse du sommeil, de la déconnexion, qu'il s'agisse de la fatigue oculaire, qu'il s'agisse de la parentalité, qui est un sujet qui prend de plus en plus d'ampleur. Et je vous inviterai à aller suivre, ou en tout cas à me contacter à la suite de ce call pour que je vous en parle plus. Et j'arrive à la fin avec une minute, en ayant dépassé d'une minute à la fin de ma slide. On a vu plein de startups dans cette presse. Et de nouveau, ce que je vous invite à faire, c'est m'écrire. Et d'ici là, je ne sais pas si on a le temps, je vais demander à la régie de prendre une ou deux questions s'il y en a dans le chat. Ouais, parfait. Du coup, si vous avez des questions dans le chat pour moi avant qu'on se quitte, je vais essayer de répondre à plusieurs questions. Et je vois Stéphane qui a commencé en disant « Connais-toi toi-même, c'est un impératif, mais alors à quoi sert l'altérité ?» Très bonne question, Stéphane. Là, on va entrer en cours de philosophie presque. Mais effectivement, c'est toujours important aussi de se recentrer sur soi-même pour ensuite pouvoir travailler en collectif. Merci Sarah, merci DL, je ne sais toujours pas qui se cache derrière ce pseudonyme. Si vous avez des questions, je serais ravi soit d'y répondre là en direct, si vous en avez une ou deux rapides, soit sinon de les prendre, vous avez mon mail hein, de nouveau qui s'affiche à l'écran. Et ce que je peux vous envoyer aussi, c'est que j'ai fait mes devoirs, un bon document qui récapitule l'ensemble des solutions que je vous ai montrées, avec à chaque fois un texte descriptif en 2-3 lignes qui explique en quoi consiste leur solution et ce qu'elle apporte. Et puis les coordonnées et le site web si vous voulez en savoir plus. Donc si vous voulez ce super fichier récap, il suffit de m'écrire un petit mail et puis je serai ravi de vous le donner. Le prochain challenge, la gestion des équipes mixtes en présentiel et distanciel. Alors effectivement, et typiquement les solutions que j'avais montrées hein, de type Klaxoon ou autre, peuvent permettre ça. On peut avoir des gens en présentiel qui vont interagir sur l'outil tout en ayant des gens en distanciel qui interagissent également avec l'outil. Ce sont des outils qui peuvent gérer ce format hybride. Merci à vous pour vos remerciements, vos commentaires, Zoé, Lorraine, merci beaucoup. Et je pense qu'on est bon, du coup on va se quitter là-dessus. Merci pour votre attention, merci pour votre temps. Un grand merci au Congrès Télétravail pour m'avoir permis de faire cet atelier. Et puis à très bientôt, j'espère, dans l'univers des ressources humaines et puis dans l'univers du LabRH. Très bonne journée et au revoir.